Salut à tous, bienvenue sur le plateau de la feuille de match, une feuille de match un peu particulière avec tous les mouvements que vous connaissez en France hexagonale, une feuille de match avec cinq rencontres reportées, donc on va voir ce qu'il en est. Bien évidemment, elle pourrait subir encore d'ici à samedi eh bien, quelques modifications. En tout cas, nous sommes heureux de vous compter ce soir parmi nous et nous allons vous aider à remplir cette feuille de match qui comporte donc 9 matchs, si je sais bien compter. C'est bien ça, hein? 14 moins 5, ça fait 9, hein, normalement. Normalement, hein, d'après ce que je sais faire. Donc, 9 matchs à pronostiquer. On va vous aider avec un nouveau venu, un invité tout à fait exceptionnel sur le plateau. De temps en temps, eh bien, nous prendrons comme ça, parmi vous, amis téléspectateurs, un invité qui voudrait donner son avis sur le football et singulièrement sur la grille que nous vous proposons. Il s'agit de Dietrich. Bonsoir, Dietrich. Bonsoir. Bienvenue. Enchanté. C'est une émission que vous suivez régulièrement ? Ben, depuis le tour que j'ai su que vous chroniquiez par l'intermédiaire de Jean-Claude, ben maintenant je suis la feuille de match. Eh ben voilà, donc vous aussi, ça peut vous arriver de venir sur le plateau de la feuille de match, il suffira de nous en faire la demande. Alors les titulaires, bien évidemment, sont quasiment les mêmes. René Viral, bonsoir. Bonsoir Rudy, j'ai voulu mettre un gilet jaune, mais je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai mis une veste beige. Voilà. Oui, une veste beige. C'était une beige ? Oui, beige. Bon. Cédric Santim. Bonsoir Rudy, bonsoir Dietrich, bonsoir à tous. Quand René Viral parle de gilet jaune, c'est le monsieur le député qui s'est fait. Je ne pense pas qu'il y ait des gilets jaunes parmi les députés. Oui, enfin, il y en avait. C'est la salle, oui. Très bien, mais bon, c'est la salle, pas Viral. Et celui qui pleure dans notre gilet pendant la journée. Une expression, de le pleurer un gilet à nous. Mais là, pour le coup, là, bonsoir à tous, je pleure pas, je suis plutôt satisfait en tout cas. Bruno Michovic. On aura l'occasion d'en débattre. Eh bien oui, justement, on aura l'occasion d'en débattre et vous me tendez donc la perche pour une transition toute trouvée pour la première partie de cette émission tout à fait exceptionnelle vu les matchs annulés pour cette grille qu'il va falloir quand même valider samedi avant 14h55. A tout de suite pour le débrief. Et un débrief consacré à la Ligue des Champions, le bilan de la Ligue des Champions, de la phase de poule. Et c'est à vous que revient l'insigne honneur de démarrer, de lancer les hostilités. Vous avez tout loisir de parler autant que vous voulez. Ah ben écoutez, je vous remercie. Un bilan plutôt satisfaisant puisque la France fait 2 sur 3. Puisque Monaco n'ira même pas en Europa League et définitivement éliminé. Et, le Monaco de qui déjà ? Le Monaco de Thierry Henry. Ok, d'accord. Et enfin. Vous avez répondu à ma question. Très bien. Et par contre, que ce soit le Paris Saint-Germain à qui on prévoyait d'échouer comme le Titanic, finalement se retrouve premier de leur ligue. D'une poule difficile. Non, attendez, contenez-vous. Bruno, je lui ai dit qu'il avait toute latitude pour dire tout ce qu'il veut. Je peux partir, là ? Non, restez là quand même. Non, mais écoutez-moi. J'ai fait que ça. Mais en tout cas, les faits sont là. Le PSG est premier de sa poule. Une poule difficile. Elle n'a jamais été aussi difficile. On verra par la suite que c'est même peut-être une bonne chose. Et puis un Lyon qui se qualifie avec un but magnifique de Fekir. Dans des conditions très difficiles au niveau de la météo, au niveau du temps, et un match où ils ont vraiment mérité de passer. Et donc moi je suis plutôt satisfait, je suis content pour le PSG bien sûr, mais également pour Lyon. Et c'est toute la France du foot qui gagne, parce que remporter la Coupe du Monde et avoir aucun club en huitième de finale, ça ne l'aurait pas fait, donc bravo à eux. C'est tout ? C'est un débat. Ah, mais quand ça perd, vous parlez beaucoup plus. Là. Vous avez toute la légitimité pour vous expliquer. Non, parce que je ne suis pas. Je ne veux pas non plus fanfaronner. Il nous la joue humble. Modeste. Alors que l'autre jour, la dernière fois, pour un simple match de poule gagné, vous sautiez au plafond. Oui, que se passe-t-il ? Parce que finalement, jouer contre l'étoile rouge. Auriez-vous chaud aux fesses ?
Si j'ai eu chaud aux fesses, oui, pas, plus maintenant, mais oui, ça a été difficile. Je comprends votre retenue. Et c'est normal. Le coup est passé près. Absolument. D'accord. Et c'est ce qui est beau, justement, c'est quand on est justement décrié et prêt à justement être du côté de la montagne et de chuter, et de voir que malgré tout ça, le PSG a su faire corps, a su faire preuve de joindre l'équipe, même pour ce match à Belgrade, où finalement, même les deux autres cadors, que sont le Napoli et Liverpool, n'ont pas fait de résultats là-bas, eh ben je dis bravo. Et quand c'est bon, il faut le dire. Voilà. Mais alors, je reste modeste parce que rien n'est fait. On est qualifié que pour les huitièmes de finale. Eh bien, le Bruno Nouveau est arrivé et on s'en réjouit. C'est bien lui, c'est bien lui. Il a dit quoi sur la fin? Ils sont qualifiés que pour les huitièmes de finale? Oui. C'est bien lui. Je comprends votre stupéfaction, mais c'est bien Bruno Michelin. C'est le même Bruno qui me disait que quand j'ai osé dire qu'un gars qui pleure en match de poule... Bravo Bruno. Quelle évolution, Non, il a raison. Moi, ce que je voudrais que vous me disiez, mon cher Cédric, est-ce un exploit, parce que j'ai entendu sur la presse nationale que le PSG a réalisé l'exploit. Non, on peut pas. Alors, moi, je reste fidèle. J'essaie de rester fidèle à ce que je disais. J'ai dit sur ce plateau que effectivement, Paris, pour moi, avait le meilleur effectif de cette poule. Ce que je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Donc, que Paris termine premier de sa poule, ça ne peut pas être un exploit pour moi. J'ai aussi dit que le PSG de Tuchel, j'avais rien encore vu. Force est de constater qu'ils ont gagné Liverpool et qu'ils ont terminé premier. Ils ont gagné à Belgrade, ce qui est logique, mais ils ont gagné quand même alors que le Napoli et Liverpool n'avaient rien montré. Donc pour l'instant, on ne peut pas reprocher grand-chose à M. Tuchel. Il faut savoir avaler son chapeau. Même, pour l'instant, même le match nul à San Paolo, pas tout le monde qui va faire un match nul à San Paolo. Tout le monde ne va pas faire match nul à San Paolo. Et on regarde l'élimination de Napoli. Finalement, Napoli est éliminé. C'est le don de la farce. Non, mais tout ça, c'est bien gentil si on est éliminé le coup d'après. On est d'accord. Non, mais là, on reste sur le bilan de ce qui s'est fait. Paris a fait le job, 11 points, il n'y a rien à dire. Ils sont premiers, terminés. Après, ce qui est sûr, c'est que oui, ça aurait été autant ça aurait été une catastrophe que Paris soit éliminé, ou même en Ligue Europa, autant ce n'est pas un exploit pour moi que Paris soit qualifié, dans la mesure où, pour moi, les effectifs qu'il y a, rien qu'avec Mbappé, il n'y en a pas un ailleurs, ou Napoli ou Liverpool, qui veut Mbappé. Rien qu'Mbappé. Et je ne rajoute même pas Neymar et les autres. Oui, mais tu sais très bien qu'en foot, ça se joue à 11 et que ce n'est pas parce que tu as une star que tu gagnes. Alors regarde le match Deux. Alors. L'ouverture du score, premier ballon, qui fait la différence? Une accélération d'Mbappé, caviar, il y a but. C'est pas un joueur qui fait une équipe, sauf que Coupe du Monde France-Argentine, Mbappé fait pas le raid solitaire, on sait pas comment ça se termine. Si t'as pas un joueur comme ça, tu peux pas gagner ce genre de match-là. Tu peux pas. Or, tu l'as. Donc tu vas dans mon sens, tu abondes. Oui, j'abonde, mais je dis aussi que Paris a pour moi meilleur effectif que les autres. Pour abonder dans le sens de ce rythme également, on prend Lyon, certains observateurs ne voyaient pas un Fekir titulaire. Le coach dit, quand on a un joueur de cette trempe-là, il faut qu'il joue. On ne peut pas s'en passer. C'est vrai que ce n'est pas un joueur qui fait une équipe, mais quand on a un joueur comme ça, il joue, et là, il est au niveau de Maradona, de Messi, de tout ce que tu veux, la patte gauche, je te dis, sur cette action-là, il y a peu de joueurs qui la mettent comme ça, moment-là. En tout cas, moi, j'ai adoré, c'est pour ça que je regarde des matchs de foot, pour ces moments-là, et bravo. Sur ce but-là, j'apprécie aussi. Le petit débordement de Memphis. Oui, aussi. Et la lucidité. Avec la petite roulette et tout ça. Oui. Mais Lyon, rapidement, pour moi, Lyon, c'est une équipe qui est, au regard de son potentiel de joueur, c'est sous-évalué. Parce que ce que fait Genesio pour l'instant, pour moi, Lyon aurait déjà dû être deuxième attitré du championnat et on n'en parle plus. Parce qu'ils ont des joueurs qui, pour moi, ont un niveau exceptionnel aussi. Ils ont de très, très bons joueurs, Lyon. Mais ce qu'il n'arrive pas à installer, c'est la régularité de son équipe dans tout un match. Voilà. Et c'est son seul hic. C'est pas le seul, hein, cela dit, à avoir des difficultés de régularité. Non, mais quand on a un effectif comme ça, on s'attend quand même à ce que les résultats soient plutôt réguliers pendant de si. En tout cas, dans le championnat de France, oui. Même en Ligue des Champions. Lyon aurait dû gagner contre Manchester City au match retour. Et Hoffenheim. Contre Hoffenheim, pareil. À la dernière seconde. Oui, ce sont des points qui aujourd'hui, enfin hier, ils n'auraient pas eu à se bagarrer dans le froid de l'Ukraine pour aller chercher une qualification, parce que ça aurait dû être possible bien avant. Donc effectivement, Lyon manque de constance sur 90 minutes, mais c'est lui qui a raison, sur l'effectif lyonnais,
n'y a rien à dire. Il y a des joueurs extraordinaires. C'est même Touza qui ne joue pas, parce que barré par Ndombele qui est exceptionnel, il fait un gros match. Donc tu as une belle équipe. Et puis équipe, ce Awa. Qui était un peu moins bien hier, mais quand même, c'est exactement le genre de joueur qui doit être dans une équipe. Après, pour revenir au PSG, pour moi, c'est une qualification logique. Tout le monde a parlé de Maracanã. Moi, j'ai dit que si une équipe gagne 6-1 au match aller à domicile, en face, il n'y a pas le Barça, il n'y a pas le Real, il n'y a pas le Bayern de Munich. Je ne vois pas pourquoi Paris doit craindre d'aller à Belgrade. Parce que, intrinsèquement, Paris est meilleur que Belgrade. Tu ne peux pas prendre 6-1 à l'aller, c'est-à-dire que tu y vas avec les fesses serrées, en craignant de perdre à Belgrade parce qu'il y a un public. Sauf que Liverpool n'a pas montré grand-chose au cours de cette Ligue des Champions. Ouais. Je suis désolé. Liverpool qui perd à Belgrade. Parce que le premier match contre le PSG Paris n'était pas bon, Bruno. Mbappé ne fait pas le coup à la dernière minute, tu reviens avec un match nul de Liverpool. Liverpool n'était pas bon. Enfin, Paris n'était pas bon au match aller. Lyon de valeur intrinsèque. Liverpool a une super valeur intrinsèque. Tu fais quoi, tes Mané, des Salah? Ils ne sont pas au même niveau qu'en dernier. On peut estimer qu'ils ne sont pas au même niveau. Et Naples? Non seulement on peut estimer qu'ils ne sont pas au même niveau que l'an dernier, mais on l'a évoqué ici sur ce plateau, le championnat anglais, pour les Anglais, est plus important que la Ligue des Champions. Ok, ça c'est déjà un argument qui me passait moyennement la semaine dernière. Il passe pas non plus. Regardez la prestation de Liverpool en championnat. C'est la même qu'en Ligue des Champions ? Regardez l'engagement des Anglais en championnat. Vous avez vu la demi-finale de l'année dernière de Ligue des Champions ? C'était pas Liverpool remonté ? Je vous pose une question. C'était une demi-finale. Moi, vous me dites oui, j'ai changé, ok, je suis plus sobre et tout ça, mais Cédric. Ça ne durera pas. Ça ne durera pas, c'est fort possible. Mais Cédric, je ne veux pas que vous minimisiez, on ne va pas sauter au plafond, mais que le PSG soit premier de ce groupe-là. C'est normal. Quand même, Paris a prouvé que. Mais Paris répondre, a répondu. Dans un grand match contre un grand Europe. Paris a répondu à son statut. C'était un fauteuil pour deux. Deux fauteuils pour deux faillites. Non, il y avait le fauteuil de Paris était acquis, normalement. On parle de qualité intrinsèque. Paris est au-dessus dans ce lot-là. Et Paris a, pour ce qui me concerne, je le dis, je le répète, c'est mon avis, je le partage, Paris a de quoi être dans le dernier carré. Je le partage aussi. Okay. Oui, sauf que les matchs se jouent et c'est pas les feuilles de match. Les matchs se jouent. Le problème de Paris, je pense que Tuchel l'a compris, c'est qu'il avait une constellation de stars, mais qui ne jouait pas en équipe. Ouais. Et depuis Liverpool, on sent quand même qu'il y a un truc qui s'est passé. Même contre l'Étoile Rouge de Belgrade, qui n'est pas un match facile, mais ce n'était pas non plus le grand match, Neymar a fait des tacles, Neymar a défendu, Neymar refaisait le recul défensif. Donc on sent quand même qu'aujourd'hui, les joueurs sont beaucoup plus concernés par ce que dit le coach. Et le résultat se voit sur le terrain. Ça se voit, il y a ce qu'on appelle le body language aussi, la façon dont ils se congratulent. Il réussit. Parce qu'on a parlé de Mbappé, mais je trouve que même Mbappé, il est un peu en retrait. Si Neymar n'était pas au niveau où il était, je sais pas. Je trouve que c'est Neymar qui sublime l'équipe plus que Mbappé. Pour le moment, sur ces derniers, mais n'oublions pas que sur le dernier match, Mbappé, sur les deux. Mardi, on peut. Ouais, c'est comme on dit, c'est bita-bita. Parce que c'est vrai que Neymar, quand il prend le ballon, on sait qu'il va se passer quelque chose. Même Mbappé aussi. Il a eu quand même quelques belles actions. Il y a un peu de déchets. Mais c'est un joueur qui. De toute façon, ils n'ont pas le même registre. Mais le remplacement de Neymar aussi en 10, il est pour beaucoup dans cette nouvelle discussion des clubs. Mais tu n'as pas Mbappé dans l'équipe? Tu as beaucoup moins d'espace, beaucoup moins de solutions. Parce que si tu regardes le match de Strasbourg. Tu ne peux pas le marquer. Tu ne peux pas le laisser libre. Le match de Strasbourg, Paris qui est mené 1-0, Mbappé qui rentre, tout de suite, le match il change. Sa présence change. On n'en a pas parlé, mais même le rôle de Cavani, parce que les appels qui ont permis d'aspirer justement les ballons pour Mbappé, etc. Mais tout ça, c'est parce que l'équipe. Parce que l'équipe joue ensemble aujourd'hui. Ils ont joué ensemble. Mbappé, le caviar qu'il donne à Cavani.
Et il y a peut-être, allez... Il ne le donne pas. Très clair. Il y a deux mois, il ne lui met pas ce ballon-là. Aujourd'hui, Tuchel a su au moins faire ça. Oui. Et moi, ce que j'ai aimé avec son discours, c'est quand il te dit, oui, que les supporters, enfin les journalistes lui disent, oh oui, mais le slogan du PSG, c'est « Rêvons plus grand ». Il dit ça, c'est pour les supporters. Moi, je prends les matchs. Match après match, les uns après les autres. Aujourd'hui, j'ai un huitième de finale à jouer et à gagner. Après, je verrai. Et ça, j'ai aimé ça. Et oui, Mbappé a dit un peu la même chose Il est clair que Tuchel a ramené justement ce qui manquait au PSG, cette gestion des médias aussi. Parce que nous n'oublions pas que ce qui se passait avant avec l'ancien entraîneur, c'est que déjà, il ne parlait pas français correctement, mais c'est pas son... Il ne parle pas mieux l'anglais. Hein. Ouais. Non plus. Et ça se passe bien. Mais depuis le 18 août, il est avec lui. Attendons, parce que si, ce que je ne souhaite pas à Paris, si Paris s'arrête en quart de finale ou même en huitième, on ne dira pas la même chose. On ne dira pas qu'il a su gérer les médias. On ne dira pas. Moi, ce qui me dérange, et je vous retourne ce que vous disiez, Bruno, lorsque vous dites qu'on minimise, je pense que vous minimisez Paris. Pourquoi vous minimisez Paris? En disant justement que c'est extraordinaire d'être sorti de ce groupe-là. Pour moi, vous voyez Paris plus petit qu'il n'est en réalité. Ce ne sont pas mes propos. J'ai dit que c'est une belle satisfaction. Et j'ai dit que je ne fanfaronne pas et que ce n'était pas attendu, surtout parce qu'il y a deux matchs. On nous promettait quoi? Le groupe qui les journalistes. Ils ne jouent pas au foot, les journalistes. Ben oui, mais attends. Mais même ici, je vois qu'ils se léchaient les babines. Non, Bruno. Non. On promettait quoi? Le gouffre sur quoi? Sur ce qui avait été montré, on est d'accord. Alors sur ce qui avait été montré, on aurait pu se dire on va décrocher l'année? Non, on aurait pu dire que c'est pas encore fini et que c'est la fin pour payer les musiciens. C'est tout ce qu'on a dit, que ce n'était pas fini et que justement, pour reprendre le propos de Cédric, jubiler comme ça après seulement avoir gagné un match de poule, c'est de se dire que Paris a eu le sentiment, comme l'équipe de la Creuse a éliminé une équipe de Ligue 1 en Coupe de France. Et que cette équipe-là réussit un exploit. Paris ne peut pas réussir un exploit dans ce groupe-là. Paris, dans ce groupe-là, est à sa place. Mais quelle que soit l'équipe au monde, une grande équipe, vous prenez la Juve, vous prenez le Real, vous prenez le Barça, vous prenez les grands clubs en Europe, ils ne vont jamais vous dire dans un groupe de la mort que ouais, c'est un exploit qu'ils en sortent. Premier tour, il faut passer, point final. Tu passes, deuxième, tu passes. Et après, on commence à voir huitième et on passe des tours. C'est ça la dimension des grands clubs. Et tant qu'on va penser que oui, c'est un exploit d'être sorti d'une poule, alors qu'on a Neymar, on a Mbappé, c'est pas une mosaïque, mais avec ces deux gars-là, J'aimerais souligner, on parle beaucoup de l'attaque, mais la défense cette année, on peut souligner la défense parce que combler les brèches des Mbappé, Neymar, etc., il fallait une défense solide quand même, dont le petit nouveau qui est Réan, bon, qui Kimpembe pas trop... Il est dans là dans les impacts quand même. Mais qui Réan, chapeau. Qui Réan, le retour de Thiago Silva quand même. C'est vrai qu'ils ont bouffé... alors c'est une question... Et puis le Bernat aussi. Oui. Ils ont bouffé les joueurs de Liverpool, mais ma question, je posais la question la dernière fois parce que est-ce que c'est le même Liverpool? Non, pour moi, ce n'est que mon avis. Pour moi, depuis, j'ai l'impression que l'épopée en Champions League a pris le jus totalement de Mané et de Salah. Mané en Coupe du Monde, on en a parlé à maintes reprises, il m'a exaspéré. Il m'a exaspéré parce que c'est un joueur qui a trop de qualité pour donner ça. Alors je me dis aujourd'hui, est-ce que c'est effectivement la défense de Paris qui est monstrueuse ou est-ce que ces gars-là sont un peu en dedans? Malheureusement pour moi, on est obligé d'attendre. Si effectivement, huitième de finale, ça passe quart de finale, on est obligé de le faire. Mais à certains moments, tu es obligé de te poser des questions en te disant est-ce que c'est ça ou est-ce que les gars sont en dessous? Parce que finalement, depuis la finale de Champions League, ne serait-ce que Mané, bon, ça là, il a été blessé. Ne serait-ce que Mané, tu te dis mais est-ce que c'est le même qui marque en finale? Est-ce qu'il a eu au Sénégal? Il a un but devant encore. C'est ça, est-ce que c'est le même? Je ne sais pas en fait. Hier, il a bien vendangé. Pour revenir au PSG, moi, ce qui me fait peur pour les tours suivants, c'est le milieu de terrain. Parce qu'avec Verratti seul au milieu de terrain, contre les grandes équipes, ça ne passera pas. Il faut trouver une solution. Marquinhos n'est pas un milieu de terrain. Il te dépanne, oui, sur un match, sur deux matchs. Mais quand tu vas rencontrer des équipes qui vont calquer tout leur jeu, en tout cas baser tout leur jeu sur le milieu de terrain, ben, tu auras du mal. Et ben moi, vous savez, j'ai plus confiance en Marquinhos qu'en Verratti. Même si intrinsèquement Verratti serait un meilleur footballeur que Marquinhos, mais Verratti, avec un arbitrage logique, ne termine pas le match. Oui, contre Liverpool. Ne termine pas le match. Et il n'en est pas à son coup d'essai.
C'est un joueur qui peut vous plomber. Il est toujours borderline. Oui. C'est un joueur qui peut vous plomber dès le premier quart d'heure si vous ne vous appelez pas le PSG. Mais c'est peut-être justement là où tu peux dire que le PSG a peut-être un peu grandi aux yeux des arbitres, aux yeux. Et comme je disais. Mais c'est pour ça qu'on vous dit que le PSG est à sa place. Pas totalement. Parce qu'il y a des pénalties. Oui, mais je suis de ton avis, Rudy. Il est fort probable qu'il y a 3 ou 4 ans dans une autre campagne que Verratti soit déjà. Oui. Donc moi, Ibrahimovic avait été expulsé pour moins que ça. Moi, le Marquinhos. Il y a beaucoup d'impact, mais Ibrahimovic avec sa corpulence. Marquinhos me paraît. Je trouve qu'il est en nette progression. Ouais, hein, ouais, ouais. Mais je suis d'accord avec Rudy que c'est pas son jeu. Et d'une grande générosité. Oui, c'est vrai. C'est d'une très très grande générosité. Oui. Il fait donc son corps. Et puis il finit les matchs à fond. Eh oui, par contre, je suis pas sûr que. Bon, j'ai vu qu'il a mis Kirer sur le côté. Pour moi, c'était pas une mauvaise idée. Parce que je suis pas sûr que Dani Alves. Et la caisse au Meunier. Ouais. Non, Daniel Alves. Je suis pas sûr. Moi, Daniel Alves, je le vois plus à la place de Di Maria, en concurrence avec Di Maria, beaucoup plus haut, parce qu'il s'est défensivement, il a une qualité star, technique devant où il peut être utile. Il fait les transversales, c'est pas mal. Daniel Alves, très sincèrement, pour moi, il est en concurrence avec Choupo-Moting sur le bord. Ah oui, pour moi aussi. Non. Déjà l'année dernière. Et Meunier. Mais il apporte un Choupo-Moting parce que c'est un profil que le PSG n'avait pas. Parce que Cavani, quand les gardiens dégagent, Cavani, il se cache un peu derrière les défenseurs. Il ne va pas au contact. Regardez contre et Choupo-Moting, lui, quand un joueur va au combat, il faut l'inscrire dans un art martial, il faut l'inscrire à la boxe. Non, parce que Paris veut toujours relancer au pied, mais parfois, avec, comme des équipes contre Liverpool ou Naples, qui pressent haut, on ne peut pas toujours ressortir. Donc tu es obligé d'allonger. Mais sinon, le ballon va revenir à chaque fois. Après, moi, je suis d'accord sur la défense. Donc, un Giroud, ce sont des gars qui. Quoi qu'on dise, Rudy, quand tu as des gars comme Mbappé, des gens qui prennent la vitesse, qui prennent les espaces et qui ont besoin justement d'espace et de vitesse, c'est pas. Moi, ça épuise un défenseur que d'avoir 90 minutes. Et puis c'est un gars qui a un bon jeu de tête. J'ai malheureusement un âge qui me permet d'avoir pu apprécier un certain Romario. Qui ne faisait pas tout ce qu'on vous dites là, qui était un joueur de foot, dos au but, face au but, et surtout quand il était dos au but. Parce que quand il était dos au but, il se retournait et j'accélère et tout le monde derrière. Donc, c'était pas un bagarreur. Alors là, mais c'était pas un bagarreur. Donc, on peut faire autre chose que combattre. On peut aussi jouer au foot et ça, c'est pas plus mal. Mais tu connais suffisamment le foot pour savoir qu'à certains moments d'un match, tu as besoin de ce profil-là. Le gars qui va te récupérer des ballons sur des corners, qui va te soulager ta défense et ton gardien, qui en attaque va aussi jouer le rôle de piston. Non, mais il est bon en Reims. Oui, ça c'est bon, mais honnêtement, les gars. Quand j'ai vu faire une bonne rentrée à Liverpool. Non, pour moi, quand on voit. Là, la compétition va changer de niveau. Sincèrement, je ne vois pas où tu peux le mettre, Choupo-Moting. Parce que tu as besoin de. L'avantage de Paris, c'est qu'ils ont une ligne d'attaque, et lorsque Di Maria est bien luné. Une ligne d'attaque où tout le monde est dangereux. Tout le monde est dangereux. Quand tu le mets, oui, il va prendre des ballons de la tête. Sauf que, offensivement, là, tu te mets quand même quelque chose dans les pieds. Parce que c'est pas lui pour moi, hein, je peux me tromper. C'est pas lui pour moi qui va te débloquer la situation quand c'est très. Si on regarde le match à Liverpool, c'est quand il est rentré que Paris était mieux. Oui. Dont le deuxième but de aussi. Mbappé. Mais après, est-ce que à un certain niveau, ça passe? Non, mais c'est une solution. Tu le fais en Choupo-Moting. On fait rentrer Choupo-Moting, le match est gagné, on mène, allez, va donner deux coups de Yann, va machin, mais c'est pas pour jouer au foot. Oui. Dani Alves aujourd'hui, son corps ne suit pas. Bon, on n'a pas parlé de Meunier, alors on fait quoi de Meunier? Meunier, pour moi, est un joueur de foot. Mais Meunier, oui, mais est-ce que dans la Ligue des Champions, il va jouer? Non, mais Meunier, c'est pareil. C'est des gars qui. Meunier, c'est côté impact physique, et je pense que c'est ce qu'il a choisi. Il a choisi le côté impact physique. Kerrer mieux que Meunier. Maintenant, il faut qu'il souffle après la Coupe du Monde. Bien sûr. Mais je pense qu'en mars. Bon, et puis après, je crois qu'il a eu quand même un deuil important. Aussi, mais Meunier qui sort meilleur latéral pour moi de la compétition, la Coupe du Monde, vous n'avez pas vu la santé qu'il avait sur un mois? Ça veut dire qu'il a la caisse. Sauf que quand tu as une préparation violente d'avant-saison, un mondial, tu regardes ceux qui ont été champions du monde, ils ont tous un passage à vivre. Mais si on regarde la Belgique.
Déjà, ils avaient trois gros défenseurs derrière. Voilà. Et ils n'ont pas été là vraiment. Mais il a quand même arpenté le couloir pendant un mois. Et le gardien. Bon, en plus, c'est le gardien. Courtois, on reste sur Buffon en huitième de finale. Non, je sais pas, c'est une question que je pose. Ah, c'était une question. Ouais, ouais. Bah, je sais pas. Oui, moi, oui. Moi, oui. Hein. Ah, oui. Bon, ben, si vous dites oui. Façon, pour moi, là, les deux n'ont pas démérité. Oui, bah, jusqu'à maintenant. Et encore une fois, moi, je dis qu'il faut aussi miser sur l'avenir. Oui. Il faut aussi miser sur l'avenir. Et l'année prochaine. Oui, mais si l'année prochaine, vous lui remettez un. Tu sais, il a fait un match France-Allemagne. Tu me diras qu'il a fait d'autres, il était moins bon. On est d'accord, mais il a fait un match France-Allemagne où, quand même, il sort des ballons. Ah oui, Et puis, Buffon n'est pas exempt de tout reproche sur les. Non plus, c'est ça. Oui, mais de toute façon, là, sur le rôle de gardien, il peut pas, les deux ne peuvent pas jouer. Il y a pas, on n'a jamais fait un changement de gardien. L'avantage de Buffon. Sauf blessure. L'avantage de Buffon, c'est qu'il dirige la défense. C'est l'expérience. C'est rare. Ça s'est vu déjà. Thiago Silva aussi a plus confiance parce que quand c'est Areola, il laisse pas les ballons. Areola demande de laisser les ballons, il intervient quand même. Donc quand c'est Buffon, bon. C'est lui, on a changé pour une séance de pénalty. Oui, ça. Les Pays-Bas ont fait ça. Pour quelque chose de ponctuel. Et puis s'il n'est pas bon, le change. Ça arrive aussi. C'est-à-dire, les gens n'osent pas. Et moi, je reprendrai toujours la réponse de Marco Van Basten après le but qu'il a marqué à Dassaïef, je crois. On lui dit, mais c'est quand même extraordinaire ce que vous faites là. Vous êtes le seul à le faire. Il dit, non, je suis le seul à le tenter. C'est tout simple. Si vous ne l'essayez pas, si vous ne prenez pas le risque de le faire, ben oui, on dira ça ne se fait pas. Mais ça se fait, c'est du foot, c'est du coaching. Enfin bon, ceci étant, on est, en tout cas pour ma part, content de la qualification du PSG, content de la qualification de Lyon. Et, très content pour Lyon. Puisque le PSG, c'était une affaire pliée. Pas une affaire pliée. C'était évident. C'était logique. Alors, Lyon, c'était moins logique, donc c'est encore plus Lyon, c'était logique aussi. Hein. Juste leur régularité, mais normalement, ils doivent sortir au moins deuxième de cette poule-là. Bien sûr. Shakhtar et Offenheim. C'est une belle équipe. Oui, et on de beaux joueurs de football. Personnellement, je n'aurais pas fait de match dans ces pays. Un match où il neige toute la journée. Je veux dire, il y a des Brésiliens qui jouent là-bas. Hein. En plus. Et ils sont bien traités. Mais ils sont bien payés surtout. On ne va pas réinventer le fil à couper le beurre, mais enfin quand même, Lyon mérite d'être au moins sur la deuxième marche du championnat de France et mérite bien évidemment sa place en Ligue des Champions, compte tenu de l'effectif de Lyon, mais bon. Je peux me faire une petite. Rapidement, même Bruno ne m'a pas parlé d'Adrien Rabiot, il n'en parle plus de Rabiot. C'est un joueur que vous appréciez normalement. Non, mais ça y est, hein, Rabiot. Non, j'ai jamais aimé sa nonchalance, c'est pas parce qu'il est. Non, mais c'est pas. On peut s'en passer, on voit qu'on peut jouer sans lui. C'est ça. Et pour moi, il s'est auto-éliminé. Il faudra dire merci à Dédé. Il faudra dire merci à Dédé parce que jusqu'à Dédé, on passait à ses caprices. Et Dédé a montré qu'on pouvait jouer au foot sans lui. Et voilà. Surtout que Rabiot n'a jamais rien fait en bleu. Ah, mais non, jamais. Et même quand il rentre, on voit même pas qu'il est rentré. Aujourd'hui, il estime qu'il va jouer le bras de fer qu'il a engagé avec Didier Deschamps a arrangé les affaires du PSG. Maintenant, tu veux sur le. Vas-y, avant, on essayait. Mais aujourd'hui, le président. Et c'est en ça que le PSG va changer. Si c'est l'entraîneur qui fait l'équipe, c'est réglé. Il l'a dit. Tuchel l'a dit. De toute façon, il n'y a personne qui marche. On a bien vu dans le match contre Bordeaux. Et c'est réglé. Et quand vous me parlez des problèmes du PSG, pour moi, le seul problème du PSG depuis que les Qataris sont là, c'est le président qui. Et se mue en coach. Ami aussi. Et puis, en ami intime des joueurs. En ami parce que même sa déclaration, chaque année, son coach c'est le meilleur du monde, il faut qu'il arrête. Bon, mais je le comprends sous le fait que Rabiot, c'est quand même un joueur formé au club. On ne peut pas le laisser partir gratuitement. Il ne peut pas vous casser le bras non plus. Par moi. Il ne peut pas vous casser le bras. Est-ce qu'il ira au Barça? Ça, on n'en sait pas. Parce qu'au Barça, ce qui m'embête, c'est qu'il fera son
moi, cinéma en France. Je dis que c'est un procureur-menteur. Hein. Il veut juste augmenter le salaire. Oui, mais on lui a montré qu'il peut partir. Mais quand il ira à Barcelone, il va se tenir à carreau. C'est pour ça que je dis que Didier Deschamps a rendu service au PSG. Parce que dans le cas contraire, s'il avait été champion du monde, ben oui, s'il avait été champion du monde, ben il y a longtemps qu'il aurait eu son million d'euros, etc. Ah oui, oui, donc oui, merci vrai. Encore à Dédé, non pas pour la coupe, mais pour montrer aux joueurs aussi qu'il y a quand même un patron dans l'équipe. Et moi, c'est ce qui m'énerve, c'est de savoir que ce sont des salariés comme les autres et qui n'obéissent à aucune règle. Vous signez un contrat pour 4 ans et vous dites « je ne vais pas m'entraîner parce que je ne veux plus jouer avec vous ». Mais si je fais ça à mon travail, moi je suis viré. Je suis viré le lendemain. Mais si. Je sais pas, ils ont tellement besoin de vous le matin. Bon, on va. Vous égayez nos matins, bon, je sais pas. Ouais, on va arrêter là pour la première partie. On va marquer une pause. Et dans un instant, on reviendra pour la deuxième partie de cette feuille de match. Une feuille de match qui comporte 9 matchs, justement, après l'annulation déjà de 5 rencontres. Et peut-être que ça va évoluer, on ne le sait pas. Vous savez que le mouvement des Gilets jaunes, eh bien, perturbe la vie. Et la feuille de match aussi. Et la feuille de match. Et la vie en France, la vie quotidienne en France, mais également notre feuille de match. À tout de suite pour la deuxième partie de cette feuille de match. Vous restez avec nous.